Regarde. Soyez salués, chers amis internautes. Actuellement, nous sommes dans la ville de Giclo et nous attendons activement l'arrivée du président Laurent Gbagbo et ici tous les dignitaires du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui sont là déjà. Vous voyez, ils sont en marche, tous les cadres de notre parti. Et nous partons comme ça à l'accueil du président Laurent Gbagbo. Ici, nous sommes à Giclo, chef-lieu de région du Cavali. Et nous attendons activement l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Connectez-vous et likez déjà cette vidéo et veuillez la partager dans tous les groupes et les forums de Côte d'Ivoire. Voilà. Soyez salués déjà depuis votre position, chers camarades, chers sympathisants du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à la capitale du Cavali, qui est la ville de Giclo. Et déjà nous mettons en relief la ville de Giclo. Il est en marche le SGA Simanyene Bilo Daniel, le secrétaire général adjoint du PPACI, président de la commission logistique du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Il est fils du Guémon, précisément du village de Goya. Vous le voyez, il est au milieu. C'est le monsieur en chemise blanche, encadré, encadré là, au milieu. Oui. C'est lui le SGA Simanyene Bilo Daniel, l'homme fort actuellement du Guémon. Et ici, nous sommes dans la capitale de la région du Cavali. Oui, on est avec le lion de la tribu de Goya. Oui, va, il est important de le signifier. Oui, Bilo Daniel Zerwe, l'enfant de Goya. Il est déjà dans la place. Oui. Et nous attendons activement l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Fais remarquer que c'est le SGA. Oui, et nous attendons comme ça le Seplou, celui-là même que les Achans appellent le Dougbo. Oui. Le président Laurent Gbagbo. Le Woody. De Mama. Oui, mais Bilo Daniel Zerwe, il est toujours présent. Oui, il faut le remarquer. C'est très très important. Parce que Bilo Daniel Zerwe, c'est l'homme. Et déjà, fort. Quand vous regardez un peu plus loin, nous avons toute la foule et le parterre des cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui sont en marche et qui arrivent. Bon, quand je t'accompagne, oui, le député, l'honorable Teide Georges Evrin, il est de la partie. Oui, le président exécutif. Nous assistons déjà à l'arrivée de. Du parterre des. Vous saluez cela. Et des cadres du PPACI. Oui, même le puissant directeur de cabinet. Oui, voilà. Ils sont là, ils arrivent. C'est important. Et c'est le PPACI qui est en marche ici au chef-lieu de la région du Cavali. Parce que c'est un parti absolument. Parce que nous attendons l'arrivée du président Laurent Gbagbo qui est à quelques kilomètres d'ici. Soyez salués, chers parents, chers courtisans, chers participants à l'idéologie du PPACI qui cadre le président Laurent Gbagbo. Soyez salués, Nous sommes fiers de vous recevoir. Nous sommes ici à Giclo, qui est le chef-lieu de la région du Cavali.
et nous attendons activement l'arrivée du président Laurent Gbagbo, le référent du Parti des peuples africains et Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Je mets un peu en relief le rayon de l'entrée du chef-lieu de Cavali qui est Giglo. Ici actuellement toute la population de Giglo est motivée pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo et nous sommes ici pour l'accueillir dans la ferveur militantisme du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI. Il est là, le président exécutif du parti, monsieur Hubert Oulahi Marc Atur. Il vous salue depuis votre position. Veuillez liker et partager ce direct. Ils sont là, tous les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le président exécutif du parti vous salue depuis votre position. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Bénin, le Togo, quel que soit l'endroit où vous soyez, soyez salués, chers camarades, sympathisants et militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est en route et tout à l'heure il sera ici à Giglo, chef-lieu des régions du Cavali. Vous êtes actuellement au micro de votre bien-aimé et cher serviteur Van Bao, renobli à l'état civil, comme on le dit, fils de la région du Guémont et précisément du département de Quibli. Oui, ça chante déjà quelque part et vous l'entendez respecter l'arrivée du président Laurent Gbagbo, le Seplou, comme on l'appelle de Mama. Respecter l'arrivée du président Laurent Gbagbo qui fait maintenant son entrée au chef-lieu de région du Cavali qui est la ville de Giglo. Ici, tout le peuple est sorti massivement pour accorder
un accueil chaleureux au président Laurent Gbagbo, le référent du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ici, tout le peuple est motivé pour accueillir le président. Oui, qui avait dit qu'il n'allait pas sortir des chaînes de la prison de la CPI, le président Laurent Gbagbo est dans la place. Guiglo, au chef-lieu du département du Cavali, le président Laurent Gbagbo, il est en route et d'ici quelques minutes, il sera ici. Je m'appelle Emmanuel Koum, je suis PDCI FDA, chef de corps du PDCI. Nous sommes là pour accueillir le président Laurent Gbagbo avec le député Léo Simon. Nous sommes venus une forte délégation pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Ici, c'est pas là-bas, c'est pas ici. Merci déjà, chers camarades. Le président Laurent Gbagbo sera d'ici quelques minutes, ici à Guiglo. Sentez comment le peuple du Cavali est sorti pour accueillir notre président Laurent Gbagbo, notre cher camarade du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Saluez depuis votre position, chers camarades. Nous sommes ici à Guiglo pour l'accueil du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour vous dire que le peuple du Guémon, du Cavali, le Ouai, est un peuple démocrate qui lutte pour la justice, la réconciliation et la paix pour ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre patrimoine à tous, l'héritage à nous tous. Partagez cette vidéo.
partager dans tous les forums de Côte d'Ivoire. Voilà, tout le peuple de Guiglo est mobilisé pour accueillir notre président, le référent du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, le Seplou, comme on l'appelle de Mama. Le Dougbo, c'est comme ça que le peuple Atchan l'appelle. Le Woudi de Mama, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en pays ouais. Il est en route, il arrive, il est en route. Vous voyez de vous-même comment le peuple du Cavalier est sorti pour accorder un accueil chaleureux au président Laurent Gbagbo. Soyez salués depuis votre position, chers camarades sympathisants du PPACI. C'est ça qui est la vérité. La rébellion de ceux qui sont au pouvoir pensait nous assujettir, mais aujourd'hui, le peuple du Guémon et du Kavali est debout pour accueillir le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité, parce que nous sommes pour la paix, la réconciliation de tous les Ivoiriens. Soyez salués, chers camarades. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment même ici à Guiglo pour l'accueil du président Laurent Gbagbo? En tant que fille de l'Ouest, précisément du Guémon, voilà, je suis vraiment très heureux d'accueillir notre fils. Voilà, je suis heureuse et très contente. Et lui-même, les mots me manquent. Vraiment, je dis merci au bon Dieu de nous avoir amené notre fils tant souhaité. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à tout à l'heure. Nous sommes ici avec le parterre de tous les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et nous allons comme ça allègrement vers le CA de Fakobli. Docteur Diomande Hippolyte, pour lui arracher quelques mots. Soyez salués, chers camarades du PPACI. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment même de l'arrivée du président Laurent Gbagbo ici, dans le Cavali? Merci, chers camarades. Je pense que vous avez beaucoup d'émotions que nous attendons aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Parce que, de ce qu'il sait, le martyr que le peuple ouest, le martyr que nous avons souffert à cause de notre attachement au président de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de cette reconnaissance que le président de l'État vient faire au peuple ouest. Nous sommes aussi fiers d'accueillir une sommité qui nous tombe de la ville de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, en tant que ouest, c'est avec beaucoup de fierté, avec aussi beaucoup d'émotion, que nous attendons Laurent Gbagbo à Kazoumé, ici, à Guiglo, pour lui témoigner aussi notre attachement à sa personne, pour lui témoigner notre reconnaissance, pour lui témoigner notre amour. Soyez remerciés, le CA du département de Fakobli, Docteur Diomande Hippolyte.
Nous sommes ici avec le SGA Simanyene Bilo Daniel, président de la commission logistique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Israël. Soyez salués, cher président. Alors, cher président Bilo, président de la commission logistique du parti, si vous permettez un instant, est-ce que nous pouvons vous arracher quelques mots, cher président Bilo? Merci beaucoup. Merci. Si vous permettez, chers camarades, nous pouvons vous arracher quelques mots. Alors, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment ici à Guiglo pour l'accueil du président Laurent Gbagbo? C'est un sentiment de joie, un vrai sentiment de satisfaction. Mais c'est ça, le sentiment qui nous anime. Nous sommes prêts pour accueillir le président Laurent Gbagbo. C'est ça, les mots me manquent, je le constate. Les mots me manquent. Il nous a tellement manqué. Les gens ont cru qu'ils n'allaient plus revenir au pays. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le président Gbagbo est en train de fouler le sol des moyens. Nous sommes très fiers. C'est un sentiment de joie que nous avons. Merci, chers camarades. Alors, nous continuons allègrement notre direct. Le président Laurent Gbagbo est en marche. Il est actuellement au fleuve Nzo et tout à l'heure, il va traverser ce fleuve pour nous rejoindre ici dans la capitale du Cavali, qui est Guiglo. Soyez salués depuis votre position, chers camarades sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum dans tous les forums de la Côte d'Ivoire. Alors vous voyez la présence effective du député honorable Youté Innocent de Kubli et le député Lenas Gueye, le coordonnateur régional de la région du Guémont. Cher honorable, si vous permettez, pouvons-nous vous arracher quelques mots? Alors nous continuons notre direct, chers amis, chers sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Soyez salués depuis votre position, chers amis. Ici, vous avez la présence remarquable du député de Yopougon, monsieur Michel Gbagbo, l'honorable Michel Gbagbo. Il vient à peine à vous dire des gens, j'ai fait une plaine. Bonsoir honorable. Partagez ce direct. Likez également, chers amis internautes.
C'est ça qui est la vérité. Le président Laurent Gbagbo ici arrive en ce moment ici dans le Cavalli. Les abojom wa wa la mi ambli e ma ko gbe ambu wa yi mi won a blei Laurent Gbagbo omo de wa yin o plu won do won kwa kasodi yo mu wa o ke plu wa e plu wa fun tu wa si an wa kasodi e omo o jino no sode no kavali je mo we na kla e o ke anwe mu wa je doko yi wa de je ni ayo mo kule o ya tmu de gueti un ye bluati un wa we tu ye mi won me matmo wa we tu oni anje ona bluidi taota aonia yo yi mi won tu e mo wa pa pui depuis 2002 e grajru sian aneno no sode no cavali no giglo we de jaya e enene a bluaje yi Atia kuli wana president Laurent Gbagbo oyatmo abona gwen anetion ya muwa ya so gwe mu ya blode ya wetu ya mi won don de yena no takan we na direct takan au blie forum wetu ya ta Côte d'Ivoire au blie yi di we de yana no ata won wetu on ya ide je we ka blu aje yi ojano ke won ojano sode won we tu ye pe ije asia 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 ase tu wa te ate de ye mu we na pe ya blute ye na blu wa nya mu wa e de me de ate won de e kon da gino we a blu wa je ye ayo ayo recevoir no Donc voilà, chers amis, on quitte maintenant le patois pour entrer un peu dans la langue de Molière. Partagez, likez cette vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici, en ce moment dans le Cavalli. Likez la vidéo, partagez-la au maximum. Nous sommes ici avec le SGA Simanyine Bilo Daniel, président de la commission logistique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il est là, le fils du Guémon de Goya. Nous sommes ici avec le DAF du cabinet du SGA Simanyine Bilo Daniel, le camarade Yonan Paul. Si vous permettez, est-ce que nous pouvons vous arracher quelques mots?
la joie qui m'anime ce soir, parce que notre référent politique, qu'on t'attend depuis longtemps, il arrive non seulement dans le Vieux-Monde, mais il arrive aussi dans le Cavalier. Donc c'est toute la zone de l'Ouest. Et nous sommes heureux de l'attendre, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous l'attendons avec ferveur, parce que nous avons besoin de lui. Pour qu'il vienne galvaniser toute la population de l'Ouest, c'est pour cette raison qu'on est là. Et ça, je le dis parce que là, on a tout le monde attend, même si on a besoin. Tous les chefs de village se sont réunis ici pour l'attendre. Voilà, petit peu. Merci beaucoup. Chers camarades Henri Yonan Sauter, DAF au cabinet du président Simanyene Bilo Daniel de la commission logistique. L'ambiance ici à Giglo est véritablement fabuleuse et vous devez le retenir. Toute la population ici est mobilisée pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Alors chers camarades, soyez salués. Si vous permettez, nous allons vous arracher quelques deux petits mots. Les sentiments qui vous animent par rapport à l'accueil du président Laurent Gbagbo ici à Giglo en ce moment. Nous sommes satisfaits de recevoir le président de la maison de Cavalli parce que c'est un homme digne. Il a été libéré en prison et nous sommes contents de le voir. C'est pourquoi nous sommes venus massivement cette fois-ci. Merci beaucoup, chers camarades. Restez en ligne. Restez connectés, le président il sera là avec nous dans quelques petites minutes. Abonné à Andoure, Laurent Gbagbo, Diano, non Zodele, et Nédé a oublié, à Obé, à Yépon, à Tché, on a plus que, on y a mis un mois, et même à Dédi Diabo. Président Gbagbo, Ojeno Zode, Denede, Oblé, Yetemoué, Denyan, Ojia, Timoué, Véaclé, Aje, Clé, on a plus que vous, Yemi, Mouan, et même Demi. Babo, Ojia, non, tu vois, Ah,
comme vous le remarquez ici à Giglo, c'est véritablement une joie et des émotions très fortes. Assez Manou. Babo Gino Zore, then India Gre, Abe Ayetmoe. They were Ajawe, on Adimi, on Yemi, voilà, le président n'est pas encore arrivé, mais vous voyez déjà tout le peuple mobilisé pour l'accueillir. Restez connectés, likez cette vidéo, partagez-la au maximum. Le président est à quelques minutes d'ici. Il sera là tout à l'heure avec nous. Partagez la vidéo. Likez-la au maximum. Soyez salués, chers camarades. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui concernant l'arrivée du président Laurent Gbagbo ici dans le Cavalier? Une joie immense, surtout que c'est sur moi et qui va apporter le réconfort à mes parents et tout. Vraiment, je vous assure que ça va sécher nos pleurs, nous réconforter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous restons toujours motivés, le président est à quelques pas d'ici. Restez connectés. Partagez cette vidéo maximum. Likez-la également. Parce que c'est comme ça que ça se passe en ce moment ici dans le Cavalier, à la capitale même là, qui est Giglo. Ah oui, c'est le... Oui, Charles Cassi, il est actuellement 17h, le président sera là tout à l'heure, dans quelques deux petites minutes. Il est en marche, le Seplou, le Mama, comme on l'appelle affectueusement. Pas d'animaux.
La vérité. Soyez salués, chers camarades. Quel est le sentiment qui vous anime concernant l'arrivée du président Laurent Gbagbo ici à Giblo? Mais c'est naturel. Un peu mieux chez nous. Ça va être évident, il y a beaucoup de monde. Mais Gbagbo vient chez nous. Mon sentiment est pas bien rétabli. Je peux jouer dans mon droit. Donner un espoir de pouvoir. Il ne mérite pas le sort qui a été réservé sous ce régime. Merci beaucoup. Boudou, Boudou Yagi, Boudou Baba Yagi, Boubri, encore une fois, il va te faire. Sentiment de joie ici à Giblo. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum pour que nous atteignions déjà 1000 vues à travers le monde entier et même au-delà de là, au-delà de ça, autant pour moi. Saluer. Quel est le sentiment qui vous anime concernant l'arrivée du président ici? Le président, il est à quelques minutes d'ici. Est-ce que vous êtes motivé? Salut chers camarades, quel est le sentiment qui t'anime? Vas-y, parle à tout le monde. Voilà, vous venez de l'entendre. Plusieurs diplômés dans ce pays, mais il n'y a pas de travail. Le taux de chômage avec ce gouvernement RHDP. Mais aujourd'hui, tout ce peuple est motivé et espère à l'arrivée du président Laurent Gbagbo, celui-là même qui a toujours lutté pour que l'Ivoirien, quel que soit son niveau, qu'il ait droit à la vie, au pain, à l'eau et à un logement. C'est ça qui est la vérité. Likez cette vidéo maximum
Likez-les, partagez-les au maximum. C'est ça qui est la vérité. Reste connecté, le président sera là. Oui, c'est une question de deux minutes. Chers camarades, sois salué. Likez la vidéo, partagez-la au maximum. C'est votre serviteur et camarade Wang Bao, fils de Kubli, précisément de Datouzon. Voilà, nous sommes ici en direct à Giglo. Nous attendons affectueusement et chaleureusement l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Il sera là tout à l'heure, dans juste quelques minutes. Même si ça dure, ce sont des minutes. Voilà. La population de Giglo est motivée. Le président sera là tout à l'heure. C'est une question de quelques minutes, même si ça dure. Moi, il faut me filmer. J'ai dit, il est venu là, vous dites là, il est prêt pour nous. Tu as compris? On a trop souffert avec ceci là. S'il est venu là, ah, il n'a qu'à bien nous gérer, il n'a qu'à bien parler, hein, parce que là, on est prêt pour lui aller là. Tu as compris, mon ami? Merci beaucoup. Voilà. Il arrive, il est là, il est juste à côté. Même si ça dure, l'émotion ici actuellement à Giglo, elle est très forte. Toutes les tensions sont tendues. Mais soyez-en rassurés que le président sera là dans quelques minutes. Même si ça dure, il sera là tout à l'heure.
C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, le peuple du Guémon et du Cavali, le Ouai, a tant souffert depuis 2002 jusqu'à la crise post-électorale de 2011. Mais aujourd'hui, tout ce peuple est resté motivé pour aller à l'essentiel. L'essentiel qui est la réconciliation de tous les Ivoiriens. L'essentiel qui est la paix pour ce pays de la Côte d'Ivoire. L'essentiel qui est d'amorcer le développement réel de ce pays pour que chaque Ivoirien ait droit à la liberté d'expression, ait droit à l'eau, ait droit au pain, ait droit à un logement. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plusieurs sont les jeunes diplômés mais qui n'ont pas de travail. Et c'est de tout ça qu'il est question. Parce qu'un peuple ne peut pas vivre avec la peur au ventre. Et un homme qui vit avec la peur au ventre, ce n'est pas un homme. Nous sommes dans un pays qui défend les valeurs de la démocratie. Et nous pensons pertinemment que la Côte d'Ivoire doit être un modèle pour toute l'Afrique. En ce qui concerne le thème de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Et c'est de ça qu'il est question, chers camarades. Et c'est ça le combat que nous menons avec notre référent politique qui est le président Laurent Gbagbo. Alors nous sommes ici avec notre cher camarade Kofi Le Drone, que nous saluons depuis pour tout le travail qu'il a bas déjà sur le terrain. Pour la souveraineté de ce pays qui est la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, notre continent. Robert Oulahi, quels sont ces chiffres? Il n'y a pas de chiffres ici à Giglo. Il n'y a que le peuple qui est motivé ici à Giglo et qui attend l'arrivée du président. C'est de ça qu'il est question. Veuillez liker la vidéo, partagez-la au maximum. Le président arrive. Oh là là, soyez patients, chers camarades. L'événement tant attendu est en marche. Soyez salués, chers camarades de la logistique. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment ici à Giglo? Nous sommes animés d'un sentiment de joie et de fierté parce que depuis plusieurs années, le peuple Ouai, ardemment peuple qui a soutenu le président Laurent Gbagbo dans tous les combats, ce peuple-là a été martyrisé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo vient à Kigo pour essuyer les larmes de ce peuple. Alors, je pense que c'est un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance, mais au-delà de tout, un sentiment de fierté. Pour nous, suiveurs de Gbagbo, d'être là, soutenir le peuple, ouais, et ensemble, à accorder, sinon réserver au président Laurent Gbagbo un accueil chaleureux. Je vous remercie. Merci, chef. Alors, comme vous venez de l'entendre, c'est un cadre également du PPACI qui fait partie de la commission logistique gérée par le SGA Simagnéné Bilo, Daniel, fils du Guémon, et précisément de Goya.
voilà, qui vient de faire une interview dans ce direct que nous vous proposons actuellement. Partagez, likez cette vidéo, chers camarades. Le président n'est pas loin d'ici et il sera là tout à l'heure avec nous. Likez cette vidéo au maximum. Dunyonda Zeplou, la maman au monde dit d'Adiglo Zéan. Eh bien, d'Adiglo, bah oui, à Né. Qu'est-ce qu'il y a à Fouvo Monsi ici? Bah, il y a un CD, que ouais, bleu, ouais, bleu, on sait bon, il y a un monde, il y a un groupe français. Mais, Anne Dame, vidéo, John, moi, au bleu, au bas. Ouais, d'Ao, d'Amou. Oye dame gini, oye sini gini, oye planzi gini. Oye blu akle ekbe. Oye kwe iple we. Oye ka lulang bago, opata giblo zian, oye che ekle yi jibo. Men jinyon tumwa men mao. Jibo chila jinyan we akle jodi de. Ke ka blu a oman wo gira de, ka mwa akle a nanke we a ngon. Men zian e a ngon no giblo. Déjà, on a un président Gbagbo, Oji. Mais je ne peux pas dire que nous avons un peu de temps. Quand nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. 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 Nous des mois, où il y a minute et son temps, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a alors, cher camarade Robert Roulaï, tu demandes à ce qu'on se fasse connaître la situation socio-économique et politique ici à Giglo. Alors, notons que ici, Giglo est une ville en cours de développement. Nous y avons vécu depuis 1998 et le sentiment qui nous anime de notre présence ici est que Giglo est en voie de développement. Et vous le voyez déjà, le président Laurent Gbagbo, il est en route, il est en marche. Et voilà son cortège qui arrive. Voilà, nous avons tout le service de protocole maintenant qui descend. Il est là. Le président arrive. Allez, doucement. Le président arrive, il est là, voilà son cortège qui fait maintenant son entrée. Le président, il est là. Le président Laurent Gbagbo est là. C'est la chef de boulot. Il est là, le président. Voilà son véhicule vient d'égaré. Son véhicule de commandement vient d'égaré. Le président est là et il va descendre pour saluer la population de Giglo. Le président vient d'arriver. Likez au maximum cette vidéo et partagez-la. Le président est là. Le président est là. Il est là, le Oudou de Mama. Le pousser.
Le président est là. Son véhicule de commandement est déjà là. Likez la vidéo, partagez-la au maximum. Il vient d'arriver. Il est devant le véhicule. Attendez. Il va descendre maintenant de son véhicule. Le président Laurent Gbagbo, il descend. Vous allez le voir tout à l'heure. Le Seplou, le Woody de Mama. Il est là, le président. Son véhicule est là, il est descendu. Vous le voyez un peu plus loin. Le président est là. Le bon, il est en train de saluer les autorités du PPACI. Il est là. Le président est là. Il faut avancer. Le président est là. Recule, mon ami. Il est là, vous le voyez. Il faut avancer. Il est là, le président. Il faut avancer. Le président vient d'arriver. C'était juste une question de quelques minutes. Véhicule de commandement. Le président Gbagbo est là. Maman, reculez, reculez, reculez à passer. Reculez, à passer. Véhicule de commandement, il est là, le président. Il est là, le président. Le Woody de Mama, il est là. Il est là, le président. Mama, pardonne-nous.
il est là. On avance. Voilà, le président vient d'arriver ici à Guiglo. Il vient de faire son entrée, le seplou de Mama, ici à Guiglo. Et nous allons comme ça allègrement au domicile du ministre Marc Actu Hubert Oulaï. Le président Woody vient d'arriver. Voilà, nous nous excusons auprès de vous parce que la tension étant très forte ici, donc il y a eu un peu de mouvement au niveau de la CAM, mais le président vient d'arriver et il est là. Le président Laurent Gbagbo vient de rentrer ici dans le Cavalli, précisément à Guiglo. Tout est fini, il y a bénédiction à Guiglo, bénédiction, dirige la croissance. C'était de mon nom. Hein? Et pourquoi? Il vient d'arriver le seplou de Mama, le Dougbon, comme les anciens l'appellent. Le Zéblé Gueye, comme on l'appelle ici en Pays Ouest. Vous êtes toujours au micro de votre bienheureux serviteur Van Bao, le Zrekei du Guémon, précisément de Datouzon Kubli. Voilà. Nous allons comme ça allègrement au domicile du ministre Marc Hubert Oulaï, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum. Hey, local est bloqué. Monsieur, c'est aucun problème. Comment il peut se comporter? Il est tel là. Non, non, mais c'est quoi? Non, c'est pas ça. Toute la population est sortie pour accueillir le président. Allô? Oh, c'est le moment de rappeler que Guiglo, qui constitue le cavalier. Oui, à dévoué. Nous sommes levés comme un seul homme pour dire une voix à Laurent Koudou Gbagbo. Oui, c'est lui qui incarne le peuple. Parce que nous avons de l'amour absolu pour lui. Gbagbo a répondu 8 jours en souvenant à nos aspirations. Van Bao. Et c'est pourquoi ici à Guiglo. C'est pourquoi nous, population de Guiglo, nous sommes mobilisés, nous sommes levés pour encore dire merci à Laurent Koudou Gbagbo. Gbagbo, voilà. C'est le fils. Le peuple est motivé. Gbagbo, vous voyez ici, tout le monde est sorti pour accueillir le président. Voilà, vous avez la salutation de tous nos frères de Guiglo. Le seplou de Mama est ici avec nous.
L'homme du Guémon, tant pis pour les jaloux. Ici, c'est le PPAC qui est en marche. Et le président Laurent Gbagbo a des projets de paix, de réconciliation pour tous les Ivoiriens. Le vivre ensemble et la bonne convivialité pour tous les fils et filles de ce pays. On est conscient que 10 ans passés, inutilement à la haie, oui, on n'est pas content. Oui, aujourd'hui que Laurent Gbagbo revient. Voilà, regardez de vous-même. C'est nous à l'Ouest. Pour nous saluer le peuple ouest. Nous ne pouvons plus le recevoir. Gbagbo, c'est le 10 fils de l'Ouest. C'est le 10 fils de la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Nous l'avons. Nous estimons Gbagbo ou rien. Oui, nous sommes présents. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Oui, à Gbagbo. Oui, à Gbagbo. La population de Guigou a sorti massivement. Accueille l'enfant du peuple de Laurent Gbagbo. Nous allons stopper le direct et puis nous réparer. Côte d'Ivoire. Descends. Maintenant, nous partons. Il est là, c'est le cerveau de maman. Hubert Laïo, petit Navigo, fils Tigno, oui, de la région du Cavalier. Et nous allons comme ça allègrement au domicile du président Laurent Gbagbo. Au domicile, autant pour moi, du ministre Mac Hubert Laï, même si c'est le domicile aussi également du président Laurent Gbagbo, parce que l'homme fait l'homme, c'est comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit également. Oui, c'est lui qui reconnaît la dignité du peuple ouest. Oui, Hubert Laï reconnaît. Ici, Guiglo, à Djokwe, nous avions. C'est pas là-bas, et là-bas, c'est pas ici. Le président Gbagbo, par rapport à la population de Guiglo, elle est là. Suivez de vous-même, c'est direct. Partagez au maximum et likez. Soyez salués, chers amis, depuis votre position, et je vous remercie. Vous, les sympathisants, les militants du PPACI d'ici et d'ailleurs, qui avaient participé à ce direct, qui avaient liké ce direct, qui avaient partagé ce direct, du fond du cœur, nous tenons à vous remercier. Et nous disons comme ça que c'est la Côte d'Ivoire et nous sommes ensemble parce que l'avenir de ce pays repose entièrement sur notre bonne volonté d'aller à la paix, à la réconciliation pour le développement réel de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Hubert Laï, voilà, vous voyez, la population est sortie, la population, le force qu'on voit le président Laurent Gbagbo, les mamans sont sorties aussi, ils veulent voir le président Laurent Gbagbo, c'est pas facile. 10 ans passés à la Coupe pédale internationale, et aujourd'hui, il est là, il est de retour, le président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, il est à Toulon, ouais, il attend. Oui, là. Voilà le peuple de Guiglo sorti pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est une grande joie ici à Guiglo. Le président de la France, il va le recevoir. Il nous a accueillis. Oui, Bakate Ibarayi est debout. Il est fils de Guiglo. Il est fils du grand Kabali.
Il est beau. Le président Laurent Gbagbo est ici au pays ouais pour la réconciliation. La paix pour ce pays, la bonne convivialité de tous les Ivoiriens et de tous ceux-là même qui vivent sur le territoire ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, il est là pour la paix, le progrès pour tous. Gbagbo aujourd'hui est dans le Québec. Gbagbo aujourd'hui est dans le Québec. Nous le saluons parce que nous sommes accrochés un peu. Quand vient de ce grand Gbagbo, Gbagbo est avec nous. Gbagbo est avec nous à l'ouest. La population est tellement sortie ici à Guiglo que même le cortège marche lentement. Voilà. Nous te recueillons. Nous t'acceptons, nous te saluons, sois le bienvenu, sois, Gbagbo, chez toi à l'ouest, le peuple ouest t'aime, le peuple ouest t'admire, le peuple ouest te porte, le peuple ouest t'accepte, Gbagbo. Oh, vous dites, les mots ne nous marqueront pas, mais toi, Gbagbo, nous t'aimons. Le Woody, il est là, il arrive, le seplou de maman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une grande joie et c'est émouvant. Tout le monde est sorti ici pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Soyez salué depuis votre position. Merci à quoi, peuple de Guiglo. Merci à quoi, peuple de Tavale. Vous vous êtes levé comme un seul homme. Vous êtes levé comme un seul homme. Oui, pour rendre cette grande hommage à Laurent Koudou Gbagbo, la fin du peuple. Nous vous saluons. Nous vous sommes reconnaissants. Le Seplou est là. Likez cette vidéo et partagez-la au maximum. Likez-la, s'il vous plaît, chers amis. Si vous aimez véritablement cette vidéo, je demande à ce que vous la likez. Oui, je dis, il est là. Il est là, Guiglo, pour dire encore une fois à la population de Guiglo que lui, Laurent Koudou Gbagbo, il l'aime. Que lui, Laurent Koudou Gbagbo, est le fils de l'Ouest. Que lui, Koudou Laurent Gbagbo, vous, le fils de l'Ouest, vous lui avez accordé cet amour. Et que lui, Gbagbo, il ne restera jamais de visage. Le président Laurent Gbagbo vient d'entrer ici au chef-lieu de la région du Cavali. Voilà, toute la population est sortie massivement pour l'accueillir. Et vous le regardez de vous-même. Il est conscient. Voilà, le peuple est tellement sorti que le cortège ralentit. Voilà, le président arrive. Je partage la battue, je partage la difficulté, je partage tout ce que le peuple ouest a connu. C'est pourquoi, je suis à Guiglo. Je suis à Guiglo pour communier avec cette population, victime de la crise, de tout ce que le peuple ouest aurait connu. Gbagbo, je suis là à Guiglo pour dire à la population ouest que je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, oui. Tout le peuple est sorti ici à Guiglo pour accueillir le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde est sorti. Est-ce que c'est le président qui est là? Chacun veut voir. Pour apporter le témoignage que le président Laurent Gbagbo est effectivement ici
à Guiglo. Le président Laurent Gbagbo, il est descendu, mais là, avec la foule, il ne pouvait rien faire. Il a décidé de monter dans la voiture. Je retrouve chez le ministre Hubert Houlaï, le président exécutif du parti de l'Afrique. Côte d'Ivoire, vous voyez, ils sont là, la foule fait la place publique, on ne voit pas la population de Guiglo là. Chers confrères, bon Bao, nous irons certainement à la place publique de Guiglo. Le Seplou est dans la place. Le Woody est dans la place. Le Douba est dans la place. Le Zeblé Gueye est dans la place. Nous sommes ici au niveau de la mairie de Guiglo et vous voyez que le peuple est sorti pour accueillir le président. Regardez là, on disait que Guiglo n'allait pas sortir, mais là c'est pour voir l'action. Mesdames et messieurs, c'est immaculable, c'est incroyable. Regardez la foule, quelle foule là, c'est extraordinaire, population. Nous sommes maintenant au niveau du commissariat. Si vous voulez nous rejoindre, mesdames et messieurs, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez aller chez le ministre Hubert Houlaï. C'est là que le cortège du président Laurent Gbagbo. Voilà. Oui. Tout le monde est là. Je vais laisser la place à mon le président, il est en marche. Le Seplou de Mama, il est en marche. Le Douba, comme l'appellent les Achans, il est en marche. Le Zeblé Gueye, comme on l'appelle en pays, ouais, il est en marche. Et c'est ça qui est la vérité. La population, elle court, elle veut rien rater, elle chante. Les papas, les mamans, les enfants sont sortis. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Le président, soyez salués depuis votre position, chers amis. Le président Laurent Gbagbo. Guiglo vous salue depuis votre position. La population, quelle foule, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Ils sont sortis. Ils veulent voir. Certaines personnes se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les libérés? Oui, Gbagbo est à Guiglo. Il est là. Amen Ouattara. Tu ne peux rien voir ici de sérieux parce que tu es au RHDP. On continue le direct. Les papas. Et tu portes actuellement les lunettes du népotisme. Tout simplement. Si vous nous suivez, allez plus à l'heure. Je le dis, c'est Hubert Houlaï. La voiture derrière là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez aussi partager le direct. C'est
C'est extraordinaire. On n'y croit pas à nos yeux, mesdames et messieurs. Il est là, même les papas ne veulent pas se rencontrer. Le président Laurent Gbagbo, il est là. Et nous allons comme ça allègrement au domicile du ministre Marc Hubert Houlaï. Nous partons. Mais là, tout à l'heure, quand je suis venu à 15h, je me disais que c'était un fiasco total, mais avec cette population que je vois. Oui, effectivement. Mon riche, mon aignon, les chiens aboient, mais la caravane passe. Et ici, c'est la caravane du président Laurent Gbagbo qui est en marche. Et ici, nous sommes dans le Cavali, chef lieu de région. Voilà qui est Guiglo. Il est là, le Seplou est là, le président Laurent Gbagbo, il est là, qui avait dit qu'il n'allait pas sortir de la CPI. Le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI et aujourd'hui, il est avec le peuple ouin, ici à Guiglo. La foule est bien, mais nous sommes devant, nous sommes la première voiture un peu devant. On va voir la mise en place de tout, mesdames et messieurs. C'est pour dire que le président Gbagbo... Oui, effectivement. Regardez les parades. Son entrée ici à Guiglo brille de mille feux. Ils veulent exprimer leur joie au président Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Regardez le petit tour. Alors, le véhicule du président est encore plus loin parce qu'il a été bloqué par la population. Regardez la population. Parce qu'elle est sortie massivement pour l'accueillir. Je vous dis que nous sommes au corridor. Et vous voyez ici les dynamiques hommes de la sécurité qui courent. Après même les véhicules qui vont ici à 60 à l'heure. Parce que le Seplou, il est là. Nous sommes maintenant à plus de 30 à 40 minutes déjà sur cette voie que même un bébé peut parcourir en seulement 5 minutes. Et là, aujourd'hui, il est là. Le président Laurent Gbagbo, il est là. Voilà. On va suivre ici maintenant. Attendez. Mesdames et messieurs, nous allons suivre le président du PPS, il est là. Le président du parti de président du Réconi, il est là. Regardez la population de Guiglo. Elle est sortie.
sommes au niveau du tribo bas. Voilà, c'est-à-dire, où il y avait la tombe. Nous rentrons maintenant au quartier Excellence. Voilà, nous partons maintenant au quartier Excellence. Oui, voilà, nous voici allègrement arrivés au domicile du ministre Marc Hubert Oulahi. Oui, nous sommes, nous prenons la rue du domicile de l'administration Oulahi Hubert. C'est là-bas que, le président va passer un message à ses partisans qu'il a manqué tant. Parce que depuis plus de 10 ans, il est hors du pays, il vient d'arriver. Et il est venu saluer ses parents. Ouais. Et c'est au ministre, au domicile du ministre Oulahi Hubert qui sera reçu. Vous voyez, mesdames et messieurs, le président Babo est là. Nous sommes au quartier Excellence de Guido. La population de Guido est sortie massivement. Et là, nous partons chez le ministre, le président. Babo est là, il est au quartier. Nous venons d'arriver actuellement au ministre, autant pour moi, au domicile du ministre Marc Hubert Oulahi. Voilà le cortège du président Laurent Gbagbo. Maman est là. Je sais où elle est là. C'est son véhicule qui est là. Il est là, le président Laurent Gbagbo. C'est son véhicule de commandement. Je sais plus où elle est là. Voilà le président Laurent Gbagbo, il est là. Nous sommes juste en phase avec le véhicule du commandement du président. Pour vous dire qu'il est là. Il est là. Le Woody de Mama est là. Et on court en même temps avec la population, parce que ici, c'est pas de l'amusement. Le Woody est là. C'est de la catastrophe. Sorti. On est là, papa.
Le Oudi de Mama est là. Nous venons d'arriver allègrement au domicile du ministre Marc Hubert Houlaï, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Maintenant pour entrer à la résidence du ministre, parce que le président vient d'y entrer. Regardez la foule remarquable qui s'empresse pour avoir accès au domicile du ministre Marc Hubert Houlaï. Nous venons d'arriver au domicile du ministre Marc Arthur. Voilà, nous sommes actuellement au domicile du ministre Marc Hubert Houlaï. Nous venons d'arriver avec le président Laurent Gbagbo. C'était quand même difficile au portail parce que c'est une multitude qui est arrivée et qui réclame en ce moment le président Laurent Gbagbo parce qu'il veut le toucher, il veut le voir. Il vient d'arriver ici au domicile du ministre Marc Arthur. Voilà. Le président vient d'entrer. Nous sommes ici au domicile du ministre Marc Hubert Houlaï. Voilà, le président vient d'arriver. Il vient d'arriver. Le président Laurent Gbagbo, comme tu l'avais dit tantôt, qui vous trouve. Et le président Laurent Gbagbo vient de descendre de son véhicule de combat. Le président vient de descendre de son véhicule. Il est là, le président.
Voilà le président Laurent Gbagbo. Il est là. Mon ami, je fais ça pour vous. Vous le voyez de plus près, le président Laurent Gbagbo. Il est là, le président, vous le voyez de plus près. Il est là. Il est là, le président. Il est là, le président. Il est là, vous le voyez. Monsieur, allez-y là-bas. Là-bas, ça va. Mon ami, on ne sait pas, là, faut écouter. Chacun fait son travail. Laisse-le. Je te dis, viens avec nous. Viens, allons, faut laisser, allons. On va arrêter là-bas. Faut laisser. C'est ici la fin de ce direct. Le président vient d'arriver au domicile du ministre Marc Hubert Houllahi. Voilà. Nous vous remercions, chers internautes, chers amis. Voilà, c'est ici la fin de ce direct d'aujourd'hui. Et à très bientôt, d'ici quelques minutes, pour les prochains directs. Vous voyez le président qui marche, voilà, tout doucement comme un chef. Et il rentre maintenant dans le domicile du ministre Hubert Houllahi, son homme de main, le président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et c'est ici que nous vous disons à bientôt, juste dans quelques minutes, pour le prochain direct. Merci à vous et ciao ciao.